La nuit sera longue à devenir quelqu'un, ouais, ouais. La nuit sera longue à devenir quelqu'un. Ouais, ouais, des bimbas, du bimbou, bimbou, du bimbam, boum, bam, du tout, beril, il en roi. Aïe, nous, minouille, des inouilles. Et quelle heure, Rosaire? Bum, bou, du bou, minuit 13. Minuit 11! Bimbam, boum, bam, bimbam, bimbam, boum, bam, hein? Ça va bien. Je suis sous la supervision du docteur Mabuse. M'a déjà abusé, bien sûr, de mon argent. Je cueillais mon argent comme un bon enfant, en pliant le montant. Va te casser trois dents. Ah ouais. Ce n'est pas le goût que l'on recherche, mais l'effet. Lorsqu'un cinéaste réalise un travelling avant, il se fout de la sensation qui en tirera. Ce qu'il veut, c'est le résultat sur la surface écranée. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est? Ben, ça là, c'est des sonnettes. Vous savez, vous avez une maison, madame. Ben, moi, j'ai jamais eu ça, domicile fixe. Oh, je vis dans mon matelas. OK, sûr. Non, dedans. Dedans, comme ça, si les voitures me roulent dessus. Oui. Ben, je suis pas écrasé. Comme, ben, je crois que oui. Non. Je suis entre mon matelas, sous mon matelas. Donc, je sens absolument rien. Oh! On demandait à des spécialistes scientifiques, là, les dénaturés. Non, les stupéfiants. On demandait aux stupéfiants. Messieurs et mademoiselles. Mademoiselle de stupéfiante. Héroïne. Oh, ma lady héroïne. Oh, ma beauté, ma divine. Referme sur toi mes ailes. Non, referme sur moi tes ailes. Mon bel ange m'a tout fait. Non, il faudrait faire une recherche. Mais c'est pas ce soir que ça se fera. Alors, les sonnettes. Merci, madame, de votre confidence. Là. On va prendre ça en note. On va appeler notre vrai négo. On a un négo ici ce soir. On fait depuis combien d'années? 7 ans et demi. Un négo de 7 ans et demi. Ah, mon Dieu. Il risque de se rendre à un moment donné à 18 ans. Il était négo à 7 ans et demi. Il est un vrai, vrai colérique, cet imbécile. Il fera un jour de la justice et se prendra pour le véritable Elvis. Mais on s'imagine souvent que dans les domiciles, vous, madame, vous n'en avez pas, vous n'êtes pas fixé. Vous avez jamais été fixé, hein? On vous a présenté 3 maris dans votre vie. L'autre était pas assez beau. Saint-Exupéry a dit que l'invisible était essentiel à les yeux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que l'essentiel est invisible pour les yeux. Oh, pour. J'ai oublié le pour, moi, là. En fait, j'ai paraphrasé. Ouais, toute ta vie, t'as paraphrasé. Ça, c'est vrai. J'ai zigzagué. Au moins, je me suis frayé. Et me suis fait, bien sûr, lorsque je me regarde dans le miroir, mais je me trouve effrayant. Ah, qu'est-ce que c'est que pas bien dedans? Combien de pauses dans mon existence? Et je m'en devant les balais, je leur ai dit. Mes chères épouses, je vous marie pour votre beauté, votre intelligence et tout le reste. Ils ont-tu cherché tout le reste pendant 20 ans? Ah, mon Dieu, parce que moi, j'ai eu 3 femmes. Je suis minable. Minable. Je suis minable, carrément minable. Je suis formidable, mais vrai minable. Et puis donc, 3 femmes, j'avais le choix. Moi. Ah, mon Dieu. Moi, j'ai marié 3. Là. Une, j'étais chrétien. L'autre, j'étais mes juments me l'ont dit, « Marie-toi pas, toi, tu te mets dans le trouble. » Et troisièmement, je me suis marié sous les étoiles de Précoce. Vous avez jamais connu ça? C'est une religion qui s'adonne à des recherches scientifiques. Où allons-nous? Que cherchons-nous? Que voulions-nous? Pourquoi quitterions-nous cette terre? Ce soir, sans jamais avoir réfléchi à notre propre fin, notre finalité. On n'est pas ici invitant Popperman. Tout le monde, hein? Oh, ben oui.
Ah, moi, il y a 3 semaines, là, oh, je m'en vais en voyage avec Gertrude. Hey, wow, essaie de te rendre à demain matin, là. OK, c'est déjà très, très loin. Demain matin, Montréal m'attend. Demain matin, Montréal m'attend. Cherchez-moi plus, allez-moi loin. Parce que ce soir, chaque mon cœur. De l'île-moi loup, de l'île-moi loup. Et cette nuit, je ne veux plus voir les proches. Qu'est-ce que c'est? Allez-y, monsieur, exprimez-vous. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est des sonnettes. Ah, c'est pas un serpent sonnette, là, c'est une maison, OK? Imaginez-vous une maison. Alors, avant de rentrer, moi, là, je sonne sur la sonnette. Je sais que c'est redondant, c'est comme reculer en arrière, là, mais je presse sur la pitoune. Mais là, une belle pitoune. Il y en a qui sont en ivoire, d'autres en plastique, en bois, mais en plastique. Quel beau plastique! Parce qu'en hiver, vous connaissez pas ça, vous, le gel? Il y a des cartes ici, à Québec, où ça gèle 365 jours par année. Québec! Et... Atomine, comment t'appelles ça? Speed metal. Western. Hey, du Western. Une pastille de Western, tout est là. Oh mon amour, je mangerai ton foin, je boirai ton eau, je serai ton étalon pour ce soir sur tes talons, je te suivrai, ton pauvre yob, 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 c'est un cheval, non, un diabolique. Oh mon... Qu'est-ce que c'est? Les sonnettes font-elles le même son partout à Québec? Allons voir. À Sellery, lorsque vous prenez votre doigt et vous l'appliquez sur la rondelle, vous entendrez « Grelin, grelin! » À Sainte-Foy, « Deling, deling, dolong! » À Vanier, « Bzzz! » À Limoilou, et à Saint-Roch. Alors, trouvez votre sonnette. Il faut la mériter. Et comme disait le serpent, qu'est-ce qu'il disait le serpent? Mon serpent à moi! Ben, j'en ai déjà eu un, moi. Je l'ai mis dans mon aquarium. Il n'y avait pas d'eau. Pas moyen d'avoir de l'eau là-dedans, moi, là. Alors, j'ai pris de mon récipient, là, mon godet. C'est pas un godet, c'est une chiotte. Dans ma chiotte, parce que quelques minutes de mon domicile, j'avais une chiotte, pas moyen d'avoir des toilettes à la maison. En hiver, c'était... Oh, je faisais du patin dans ma bol, moi. C'était merveilleux. C'est le mois de ma vie, c'est le mois le plus beau. Je patinais là-dessus. Oui, des fois, c'est... Pfiou, je prenais des petits motons. Mais je tombais jamais. Non, je me tenais après la cuvette. Putain que la cuvette était propre. C'est moi avec la langue. Nettoyer, c'est mon nom. Bienvenue. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, c'est monsieur le juge. En fait, je voudrais... Qu'est-ce que c'est? C'est la réalité qu'on vient vous dire. Là. C'est sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le Phénix Leclerc de tous ces états. Non, c'est le Phénix Leclerc. Mais non, pas Phénix Leclerc, ça n'existe pas. Ni Phénix, ni la... Oli, enlève Leclerc. Il fait noir si j'enlève Leclerc. Ben oui, Leclerc. C'est pas clair, ça, là. Ça n'a jamais été clair, toi, ton émission. On n'a jamais rien saisi de trop spirituel. On veut rien savoir. On veut rien savoir du spirituel. Pourquoi? Parce que c'est rien de réfléchi, c'est tout à fait extravagant, c'est en haut dans le firmament, ça mijote. Nous, on n'aime pas ça quand ça mijote en haut, on veut que ça mijote en bas. On n'a pas peur de ça, là. Il faut comprendre pas. Oh, il faut croire. Croire à quoi, moi, là? Hein? Mais non. Je vous parlais tantôt là, de la mort. Là. Les gens ils réfléchissent jamais à ça. À 3-4 secondes avant la fin. Oh non! J'ai oublié de réfléchir. Fini. Ils viennent te ramasser. Te rendre dans un plastique.
ferme la fermeture éclair. Si tu as signé pour l'autopsie, ils vont t'ouvrir. Oh non, il est pas mort! Ferme-moi ça! Il est bon pour encore 20 ans. Ah, mon Dieu, là, il est là. J'avais 20 ans pour les tripes de ma femme, 20 ans d'amour. Elle a raccommodé mon cœur. Ben oui, parce qu'ils finissent pas leur travail, eux autres. Là. Ils sont payés pour défaire, mais pas pour refaire. Fait qu'il faut que tu sois sûr de mourir, toi, là, là. Prépare-toi, puis surtout quand t'es sûr et certain que c'est fini, laisse un œil ouvert, ta pupille dilatée. Comme ça, on va voir qu'il n'y a plus rien, là. L'affaire du miroir, là, en 1920, là, 1930, 1940, même en 1954, là, on plaçait un miroir devant le visage de la personne, puis s'il n'y avait pas de buée, on se disait, pas de buée, pas de buée. Eh, monsieur, oh oui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, pas de buée, oui, pas de buée. Et puis, ben, s'il n'y a aucune évacuation au niveau de la bouche, il pourrait peut-être en avoir au niveau du bas, mais non. Quand la douche voit tout bas. Hein? Quand la débouche voit tout bas. 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 Bienvenue à la douce réalité. À l'histoire finement improvisée. Avec votre magicien. Être en marche, c'est très beau, mais être un magicien, c'est de s'exclure à ce que les gens, en général, veulent avoir de magicien. Exemple. Bonsoir, bienvenue à mon grand spectacle. Le magicien bosse quelquefois. Devant vous, madame, mademoiselle, je ne me ferai pas disparaître. Mais là, on a payé pour... Non, non, moi, je suis un anti-magicien, là. Alors voilà, 1, 2, 3. C'est pas un tour de magie, on le voit encore. Mais c'est ça, je me fais pas disparaître. Moi. Deuxième tour, je ne vous ferai pas un jeu de cartes tiré en l'air et sortir le 2 de pique. Oui, je vais vous lancer le jeu de cartes, ce sera terminé. Lance le jeu de cartes. C'est pas juste ça. Pendant 2h30, vous allez vous exclamer, on s'est fait avoir. Ah, comme, hey, attendez, ça fait 3 fois que je me fais avoir, moi, en 2 ans. J'ai voté 3 fois, je me suis fait avoir. La dernière fois, j'ai moi, le gars, je vote pour mon Québec. Et puis? Je me suis fait avoir, on n'a pas de Québec encore. Ben voyons donc. Non, non, on n'a pas de Québec. On n'aura jamais de Québec. Parce qu'il y a des gens qui ne collaborent pas. En laboratoire, on a formé des cerveaux pour propager la bonne nouvelle. Le Québec est là, il vous aime. Et bien là, ils vous le rendront au centuple. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons le chemin narratif et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier rénal le néant gagné. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Il me semble que c'est des répétitions. Ouais, moi, je dis que c'est répétitif. Ben là, s'il y a des répétitions, à mon avis... Là, c'est. Des répétitions. Là, on va aller à la générale de Gaulle. Mon Dieu! On n'est pas... Non, je ne veux pas me vanter, là, mais pour une bonne émission ce soir, on est bien gaulé, là. Oh! On est avec l'incroyable chanteuse Marie-Claire Buzy. Et son invité. Son invité, c'est qui? Faut rester des nôtres. Il faut rester des nôtres. Vous allez voir, c'est contagieux. Aujourd'hui, le vendredi 15 novembre 2013, les errances rénadiennes présentent pour vous plusieurs routes pour nous et entre nous. Et on dirait que j'ai brouté dans la route. Dans la route. J'ai brouté dans la route, ma chérie. Laissez-nous tranquille, vous là. On veut pas ça, on veut pas vous acheter des produits en plastique, là. Non, doublement emballé. Je vais vous mettre ça dans un sac puis dans une boîte, mais je suis pas emballé. Là. Déballez-moi ça, je vais jeter ça directement dans les poubelles. Partez et nous allons les prendre par la suite. Hein? On vous l'a déjà fait? Oh, c'est un vieux truc. Bon, c'est comme mon magicien qui va. Regarde-moi là. Ouais. Hein? Ah oui, je continue. Ben oui. Depuis quand je m'arrête en plein milieu d'émission, moi là? T'as pas écouté ça depuis le début, toi, là. T'as rien compris, t'as rien saisi, là. J'aime ça, moi, avoir
des sous-produits, moi. Eh, monsieur. Laissons ça, les sous-produits. Ben oui, tu t'imagines que c'est terminé. Puis tu... Oh non! Il reste encore quelques heures, quelques mois, quelques années avant que tout soit prêt. Laissons sur la boussole les valises trop lourdes, les problèmes. Comment ça? Laissons sur la boussole. T'as l'air de déboussoler, toi. Tu ferais un beau politicien. Hein, je vous le dis, je vous le jure, je vous l'ai promis, monsieur. Après, hein, j'ai promis quoi, moi? Hein, qui suis-je? Où vais-je? Casper, je cours. Laissons sur la volée. La volée, ben, on va te la voler. Il y a de la violence, oui. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Bon, l'inconscient vient de s'arrêter, là. Comme je le dis souvent, j'ai l'inconscient trop conscient. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les horaires familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Si vous me regardez sur la vidéo, oui, je sais, j'ai la main au cœur, j'ai un point. Peut-être même une crise cardiaque, je ne sais pas, là. Je vois des étoiles. Faites-vous en pas, je ne vois pas les étoiles des États-Unis. Non, non, jamais. Oh. Combien d'étoiles en Angleterre? Mais il y a la reine qui me fait voir firmament, oui. Des étoiles au firmament, OK. Il y a la maman de la reine. Elle n'est pas mortelle. Ben, je ne crois pas, là. On va aller voir. Pouvez-vous regarder, madame? On a une journaliste ici, là, qui roupille dans le coin. On te paye. Elle va voir si elle est morte. Est-elle morte? C'est. La reine, la mère, la reine, reine. Reine Malo, et puis elle est encore vivante, elle. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Marie-Claire Buzy. Elle commence les études de médecine, puis de lettres. Elle apprend les claquettes et enseigne même cette discipline qui lui vaudra d'être engagée à l'incroyable Rock Horror Picture Show. Et puis en 80, nous l'entendrons chanter des grands succès. Et puis Buzy est l'auteur de 8 des 13 chansons de l'album Voix lactée de Sylvie Maréchal en 2003. Octobre 2011, on l'entend, mais enfin on l'entend pas, mais il y a des enfants qui chantent dans la prairie, il y a des moutons qui se laissent tricoter la laine sur le dos. Non, il y a des chanteurs et des chanteuses qui reprennent des chansons de Buzy en octobre 2011. 15 artistes rock et indépendants se rapproprient 15 titres de la chanteuse. En juillet 2013, Errance Reynolds s'est présentée pour rencontrer cet artiste. Hey, on a travaillé fort, là. Il y a mon attaché de presse qui s'est détaché de moi longtemps pour me dire « On pourra pas l'avoir, on pourra pas l'avoir. C'est un gros nom, ça. Ça prend des moyens. Ça prend l'émission. » Eh bien, moi, je trouve sincèrement que c'est cohérent. C'est cohérent. Laquelle? C'est cohérent. C'est cohérent. C'est KRL. Oh, la radio à Québec! Oui. La première radio communautaire francophone au monde peut prendre rendez-vous, se dirige à Paris, atterrir sur la rue des Abbesses, près de Pigalle, dans un petit café exceptionnel où ils font des frites et des moules, et de la bière, du vin, de l'alcool, la bonne, un bon emplacement incroyable. Pour rencontrer Buzy. 3 ans de travail pour cet artiste, et nous l'avons eu. En juillet 2013, Errance Reynaldine se trouvait là à Paris pour rencontrer cet artiste sublime. Un voyage chargé. Oui, Gaétan. Oui. On va. Gaétan, tu le vois pas mal. Gaétan? C'est Rénal. Bon. Peux-tu nous partir la piste 3? T'as un petit peu, là. Piste 3, chapelet 2, verset 3. OK? Ça commence comme suit. Allez entendre la musicalité sonore de tout suspect étrange. Les ravages du temps se cachent ici et là. N'examine pas ce puma. Il risque de se trouver pendant toute la journée en pyjama. Et modo. Non, attention. Ça frôle l'œuvre d'Henri Michaud qui disait
Les cornichons chauds ne sont pas toujours dans les pots. CKRL. Cultive tes goûts.